Jimmy Chérizier, alias Barbecue, l'un des chefs mafieux les plus importants d'Haïti, a averti mercredi qu'il combattrait toute force armée internationale déployée dans le pays si elle commettait des abus. Chérizier a également exhorté les Haïtiens à se mobiliser contre le gouvernement. Si les forces d'intervention étrangères agissent comme la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti en 2004, si elles commencent à violer les filles et les garçons, comme l'ont fait les troupes uruguayennes, ou si elles apportent le choléra comme les soldats népalais qui ont tué 20 000 Haïtiens, si ces troupes étrangères viennent dans les ghettos et les autres communautés et commencent à tirer et à nous massacrer, nous les Haïtiens, nous les combattrons jusqu'à la dernière goutte de sang. Ce sera le combat du peuple haïtien pour sauver notre dignité et notre pays. L'ancien policier reconverti chef de gang a déclaré qu'il accueillerait favorablement une force étrangère si elle devait arrêter le Premier ministre Ariel Henry et les politiciens corrompus qui, selon lui, vendent des armes à feu dans les bidonvilles.